Julien Ruflin est alors à la cinquième position derrière Guilvert, Morel, Romecki et Castelli. Le pilote numéro 25 au freinage d'Adélaïde va commencer par s'emporter légèrement. Julien Ruflin parvient tout de même à conserver ses roues sur la piste. Il repart toujours à la cinquième position, mais cette fois-ci, c'est le tête-à-queue qui le guette.